Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'alphabet challenge qui est sur la lettre G pour gourmandise. Alors c'est un thème que je vous avais prévu de base pour Halloween. Voilà, donc j'ai dû trouver une nouvelle idée, mais c'est pas les idées qui manquent chez moi, je pense, hein. Voilà. Donc, du coup, je suis bien contente de la faire plus tôt que prévu. J'avais déjà l'idée pour Halloween, donc ça facilite grandement ce make-up. Voilà, j'ai pas eu trop à réfléchir. Et je vais quand même vous expliquer deux petites secondes parce que j'ai fait ma déco de tête moi-même, hein, comme je fais très souvent. Alors, il y a un petit truc qui se barre en cacahuète. Voilà! Donc, mon super serre-tête qui me sert à tout, hein, il est passé par toutes les couleurs, ce pauvre serre-tête. Bon, la sucette au-dessus, elle bouge un peu. J'ai bombé de la ouate de rembourrage en rose. J'ai fait des sucettes avec de la colle, un pistolet à colle que j'ai mis sur des bâtons. Et des petites perles de sucre comme ça qu'on met sur les gâteaux. Elles sont périmées, hein, pour ceux qui... Voilà. J'ai fait des petits bonbons, donc j'ai mis une boule de papier d'alu et j'ai mis du papier de soie dessus. Et ça, c'est un petit porte-clés que j'avais, que je trouve qui va très bien dessus. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, on verra ce que ça donne une fois que j'aurai sur la tête. Et bien sûr, qui dit tresse dit perruque rose pour aller dans le thème. Donc, je me rapproche un petit peu. On attaque le make-up qui va être très facile à faire. D'ailleurs, je vais ressortir la bonne vieille technique du mouchoir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je ressors la technique du mouchoir. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je prends un bout de mouchoir que je chiffonne. Alors, je vous conseille les mouchoirs en paquet et pas en boîte parce qu'ils sont plus fins et du coup, ils font pas un beau chiffonnage, je trouve. Après, voilà, c'est une question de goût. Donc, je chiffonne, je chiffonne, je chiffonne, je presse. On s'amuse, on se déstresse. Et je cherche un coin où il y a un beau chiffonnage. Par exemple, ici, c'est très yoli yoli. Voilà, je l'aplatis un peu. Et voilà. Donc, je prends la palette Joe Breaker de Jeffree Star. Parce qu'il y a le purple gum dedans et que ça va très bien dans le thème. Qui est juste ici. Voilà. Et je prends donc... En plus, comme ils sont bien pigmentés, ça aide... Pour la technique du mouchoir, j'ai des motifs. Comme ça, ça donne un petit effet barbe à papa. Vous voyez? Je vais quand même en mettre sur ma paupière aussi. Alors, mon teint est peut-être un peu dégueu, mais en fait, je vous explique ma vie, hein, en même temps. Riley vient de se faire stériliser et du coup, elle m'a réveillée à 3h du matin. Et j'ai pas été me recoucher tout de suite. Donc, je me suis dit, je vais filmer une fois que j'ai parti à l'école. Sauf que, après, à 7h30, j'ai dû aller me recoucher parce que je n'en pouvais plus, j'étais épuisée. Donc, j'ai été vers ma sieste. Ce matin, à 7h30. Et voilà, c'est pour ça que mon teint n'est plus très fraîche. Mais on s'en fout. Je pense que le résultat sera quand même... Donc là, j'en rajoute pas dessus, mais je vais blender un peu, enfin faire comme si ça s'évaporait. Oui, vous entendez Enzo parler en même temps en haut, hein, je suis désolée. Alors, je vais prendre un autre coin de mon mouchoir. Et je vais prendre le Joe Breaker ici, qui est un irisé. Je sais pas trop si ça va fonctionner. Ah, si, ça fonctionne. Donc je mets ça sur la partie interne et je reviens un petit peu sur la paupière et ici. Voilà. Il est un peu plus grumeleux celui-là pour faire ça. Je sens que ça shoot sur ma face. Et je reprends un autre bout et je vais prendre le Cotton Candy ici qui est un rose un peu plus foncé et aussi lumineux pour remettre un peu plus en coin interne.
C'est un peu plus chuteux, ceux-là. Quand c'est des irisés. Je le fais jamais avec des irisés. Je vais remettre un petit peu au niveau du sourcil. Aussi. Voilà! Et on en a fini avec les fards. C'était pas bien compliqué pour les fards. Alors, pour les yeux, il ne me restera plus qu'à mettre un trait de liner, mascara, crayon rose en muqueuse. Et on sera vraiment très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire. Je vais prendre ma colle à fossiles et j'ai des petites gusseries comme ça. Une sucette, bon, j'en ai même plusieurs, mais des donuts, des petits nounours guimauves, comme ça, enfin, gomme. J'ai une toute petite glace que j'avais très envie de mettre. Je vais coller ça sur ma face. Ah, je voulais faire mes sourcils en rose aussi. On va faire les sourcils en rose d'abord. Donc pour faire ça, je prends la palette Athena Painting Palette de You Can Be. Je prends un pinceau à basoteille. Un plus fin. Je veux un plus fin. Je cherche un plus fin. Toi. Donc je prends le rose ici, le plus foncé, et je vais faire mes petites chenilles. J'aurais dû le faire avant, hein, mais j'ai zappé ce moment. Donc je prends de la colle à fossile en tube, pour avoir plus facile, que je mets dans un tips d'ongle. Hein, je vous ai déjà expliqué comment je faisais, d'ailleurs je suis au bout de la colle. Alors, je vais commencer par la sucette, parce que ça, j'en ai qu'une. Donc, je pense que je vais la mettre au centre du front. Ça, c'était mon estomac, là, il est midi, donc je commence à avoir un petit peu la dalle. Donc, on attend que ça sèche un petit peu quand même, hein, parce que c'est assez lourd, donc ça ne tient pas forcément très bien du premier coup. Je suis une sucette. Je vais prendre mes deux petits donuts. Oh, maintenant il y a le chien de l'autre voisin qui gueule. Je vais en mettre un ici. Donc pareil, hein, on attend que ça sèche parce que sinon ça ne tient pas. C'est assez lourd, hein, pour de la colle à fossile. Hop. D'ailleurs, vous verrez bientôt que ce thème m'a inspiré un DIY. Je voulais filmer. Je ne sais pas si les donuts vont tenir. C'est quand même assez lourd. J'ai même pas assez de colle pour que ça tienne correctement. Je vais mettre l'autre ici. Si là je suis pas dans le thème, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, ma colle est officiellement terminée. J'en fous partout parce que ça a sproutché. Alors, ma petite glace que j'avais trop envie d'utiliser. Donc, c'est des porte-clés qui viennent de chez Chine que j'avais acheté pour les Titi de base. Qui joue pas avec. Donc, je recycle. Comme d'hab, je recycle tout. Et on colle les petits nounours pour terminer. Oh, c'est pas le bon côté. Si je les colle à l'envers, on va pas faire très joli. Hein. Bon, alors après oui, je me suis pas foulé question make-up. Hein, mais c'est le rendu final qui compte, non? Oui. Hein. Il m'en reste un, mais ça fait un peu lourd sur la face. Hein. Je vous explique ce que je vais faire pour les lèvres. J'ai juste mettre un gloss et je vais tremper mes lèvres là-dedans pour faire ça et c'est tout. Donc je le fais à la fin, faut d'abord que je mette mon liner, mon mascara et tout ça. Donc bah écoutez, j'ai plus qu'à venir vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après.
Et donc voilà, le look final, c'est très difficile de parler avec ça. J'ai dû mettre de la colle à facile en dessous, sinon ça tient pas, mais ça tient quand même pas. Et c'est dégueulasse, j'ai plein de sucre dans la bouche. Ah, j'aime pas le sucre. J'ai des bonbons, mais pas ça. Ah. Faut souffrir pour être belle, comme on dit. C'est dégueulasse. Avec le gloss, ça a pas tenu, donc j'ai mis de la colle à fossile, mais alors, sur la bouche, c'est dégueulasse. Donc voilà, au moins vous avez vu le clodeur, hein? Oh, et maintenant, j'ai des petits grains partout, oh, même entre les dents. Donc voilà, mon petit serre-tête, vous avez vu? Je m'amuse. Voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal avec la perruque. C'est totalement dans le thème. Je me mets même des petits grains de sucre dans la perruque. Donc il y a mes petits oursons et tout ça, tout ça. J'ai quand même mis des fossiles, hein, parce que là, obligé. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu final sur le thème est vraiment sympa. Donc le prochain, c'est H avec horloge. Là, j'ai déjà l'idée aussi. Et pour I et J, je viens de mettre jour où je tourne moi la vidéo. Donc on est vendredi. Donc vendredi d'avant, pour vous. Pour I et J, pas évident. Ça va pas être des thèmes faciles à trouver, là, je pense. Je ne sais pas. On verra bien ce que vous me donnez comme thème. Et je choisirai suivant celui qui m'inspire le plus. Et voilà. Donc là, on en a fini avec le G de gourmandise. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que le thème. Voilà. Après, le make-up est hyper simple. Hein. Technique du mouchoir, sourcils roses. Les lèvres, je vous conseille pas du tout. J'aurais peut-être dû les dessiner avec un dotting tool et du liner. Faire des petits points colorés, mais bon, voilà, c'était pour le fun. Au départ, je voulais en mettre dans les sourcils. Heureusement que je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, les petites cucuseries, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez les dessiner ou faire avec. Par exemple, les donuts, vous pouvez les faire avec un pistolet à colle et ensuite les dessiner. La sucette, pareil, hein, vous pouvez faire ce genre-là. Au départ, c'est ce que je voulais faire et puis j'ai retrouvé ceux-là, donc voilà. Mais voilà pour ce thème-là. Donc, j'ai vraiment hâte de tourner la suivante. Je m'éclate avec cette série de vidéos. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. On se retrouve normalement demain en bonus, soit avec un haul Shein, soit avec un DIY. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Je crois d'ailleurs que je me trompe totalement de semaine, donc je ne sais pas. Voilà. Bref, sur ce, bah, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si je remplis le thème pour vous, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve normalement demain ou au pire ce sera dimanche pour le weekly vlog. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.